Eh bien c'est tout le monde, c'est le Fugitif411, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour un nouvel épisode sur le petit moi... Enfin, oula, j'allais dire moi quand je me réincarne en slime, mais pas du tout. Donc, The Rising of the Shield Hero. J'ai avancé pas mal, hein, mine de rien, sur mes personnages. J'ai reçu d'ailleurs, donc alors je crois que je l'avais eu dans le dernier épisode, mais je me suis dit, bon allez, je vais faire une petite invocation sur ce petit... comment ça s'appelle ? Sur Raftalia qui était dans le portail qui était celui-ci. Donc j'ai fait une seule fois, je me suis dit bon allez on va tenter une fois. Et ben je l'ai eu direct, franchement, cadeau. Donc du coup ils sont level 40 les deux. Donc j'ai quand même plutôt bien monté les personnages. D'ailleurs normalement si je dis pas de bêtises, je vais pouvoir lui mettre des gemmes. Tiens ça c'est cool ça. Ça c'est pour pouvoir augmenter ses sorts. Ah, d'accord, la première fois j'ai monté son ultime à elle. Donc du coup ça sera certainement plus tard pour... Faut que j'avance un petit peu dans l'histoire. Donc, pour monter level plus que 40, puisqu'à l'heure actuelle mes personnages peuvent monter 40, mais il faut faire comme dans l'animé justement, il faut aller devant la sphère pour pouvoir les monter de level. Le problème c'est que celui-ci, j'en ai pas réussi une seule. Donc là en fait il faut avoir des trucs comme ça, donc là faut juste jouer. Mais si vous voulez faire ça, donc là d'ailleurs je vais essayer de les faire dans cet épisode, il faut faire plusieurs fois cet opus. Donc d'ailleurs il faut beaucoup de bouffe. Une fois que ça sera fait, je débloquerai le level 60. Du coup 60, si c'est 20 à chaque fois ça fait beaucoup. Après peut-être que... non ça ferait 90, donc peut-être que c'est beaucoup. Donc voilà, moi en gros je vais essayer de les monter un petit peu level up. Là déjà on va commencer par faire une petite invocation, parce que pour l'instant j'ai manqué la prostituée, hein, si on l'appelle comme ça, du coup comme dans la nuit. Mais on a eu un nouveau portail qui est sorti aujourd'hui ou hier, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti exactement, avec le personnage justement qui apparaît dans un autre monde à la base, qui est quand même censé être balèze, parce que dans l'animé, lui, il est quand même assez fort. Mais on va se le garder pour la fin. On va d'abord commencer par une multivocation dans celui-ci. Alors par contre, je ne sais pas du tout à quoi ressemble ce truc-là. Donc on va faire sur celui-ci. Attendez. La dernière fois, je l'avais fait sur celui-là, justement. Donc si ça se trouve, je vais peut-être avoir un peu plus de chance dans celui-ci. On va tester sur celui-là. Tiens, je vais changer de portail. On va tenter et peut-être avoir un SSR, ce serait sympa. On verra bien, de toute façon je le verrai dans la couleur, donc s'il y en a un qui est pas couleur violet, bon bah j'ai que de la merde, c'est dommage. C'est ballot. En même temps je peux pas avoir un SSR à chaque fois, donc en plus c'est que les trucs que j'ai déjà. Ah, par contre, je vais pouvoir la booster, si j'ai pas de SSR je vais pouvoir monter ce perso avec les gemmes que je reçois. Donc du coup voilà, on est parti pour ce portail là. En vrai, si je l'ai lui, ça peut être un truc de ouf. On verra bien. Hein. Ok, ok. Bon, bah j'ai que dalle, dommage. Bon, j'ai encore elle, donc d'accord, je pourrais la booster. Donc là, en fait, voilà, c'est par petite quantité que je peux monter les persos. Le problème, c'est que ça coûte un peu plus cher quand même que les simples portails de base de ici. Parce que là, en plus, il y a des promos de 10€, de 10%. Donc, du coup, comme je disais, je vais pouvoir la booster en termes de... Ah bah tiens, je vais pouvoir la monter de son ultime. Ça, c'est cool, je vais pouvoir booster son ultime. Ok, level 2, son ultime. 1, 2, 3, d'accord. J'en ai 23 des comme ça, la vache. Ah ouais, j'en ai quand même pas mal farmé. Non, c'est celui-là, voilà. C'était ici, donc là, il m'en fallait 60G. Enfin, il m'en faut 50. J'en ai 60, donc elle passe à 4400 de trucs. 4400 points de vie, c'est pas mal. Hein. Ouais, donc j'ai pas encore assez, donc c'est bien ça, il me moque encore des cristaux. Est-ce que je peux le faire avec les autres? Ah, lui, je peux lui monter aussi ses trucs. J'ai que celui-là, d'accord. Ok, et pour elle... Ah, ça coûte vraiment beaucoup plus cher, hein, vraiment... Ça coûte nettement plus cher, mais bon. Du coup, je vais essayer de voir si je peux pas la level up un petit peu. Oui, c'est parfait. Est-ce que je peux la passer 40? Non, je peux pas la mettre 40. Bon, à peine 38, c'est déjà pas mal. J'ai gagné un peu de stats. Mais bon, du coup, voilà, on va pouvoir... tiens, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai bloqué un truc. Ah, ok. J'ai gagné un truc pour lui faire une invocation.
Des petits bouquins pour les invoques, c'est pas mal ça. Ok, alors ça par contre je sais pas encore à quoi ça sert, je vous avoue. L'argent, d'accord, j'ai encore des trucs pour XP, peut-être que je peux la monter 40 avec les deux gros. Bon, je peux la monter 39, c'est pas mal. Bon déjà quand j'aurai tout level 40, je pourrais m'attaquer au multijoueur, parce que oui, tu peux faire du PVP. Alors c'est des trucs un peu PVP, mais c'est des trucs, comment ça s'appelle? C'est quoi ça exactement? C'est pour entrer dans une guilde, c'est ça? Est-ce qu'il pourrait pas y avoir une guilde FR, genre? On va essayer d'aller dans celle-là qui a un nom un peu anglais, Happy. On va voir. Happy. Attendez, comment je peux faire pour rejoindre le truc? Ou c'est quoi ça? C'est genre là, je suis dans la guilde, là, c'est, non? Je sais pas trop. Est-ce que je suis dans la guilde? En vrai, ce serait pas mal si je suis dedans, je verrai. Mais si je clique là-dessus, il y a des chances que je sois dedans, non? Ouais, c'est bon, j'ai l'impression que je suis dans la guilde. Ok, bon ça, j'ai réussi à rentrer dans la guilde facilement. Donc du coup, moi dans l'histoire, je suis un peu plus loin quand même. J'en suis maintenant au chapitre 4. D'ailleurs, on va refaire le combat contre elle parce que je l'ai pas réussi en 4 étoiles. Donc, on va le faire parce que maintenant j'ai augmenté un petit peu le perso qui malheureusement prend des claques. Qui quand même a un petit peu moins de résistance surtout par rapport à ça. Et Raftalia c'est clairement mon meilleur perso. Hein. Elle fait des critiques tout le temps, elle fait super mal, vraiment. C'est vraiment une boucherie. Hein. Donc lui ça va, mais comme vous voyez, déjà avec les dégâts c'est pas les mêmes. Hein. Pourtant ils sont level 40, hein. Donc là elle, on va la booster elle parce que. En défense, parce que sinon. Voilà, bien joué. Ok, Raftalia, c'est parti. Pff, les dégâts, c'est n'importe. Ok, donc là, en fait, lui, du coup, quand il fait ça, il se met obligatoirement devant mon personnage pour lui prendre les dégâts à sa place. Et vu qu'il a au moins 8000 PV, je suis plutôt tranquille. En fait, le truc, c'est que chaque bouclier a un truc différent. Donc c'est pour ça que j'aime bien celui-ci. Parce qu'il a beaucoup de points de vie et il peut se mettre, il peut prendre les coups à la place d'autres personnages. Et en plus il peut attaquer du coup. Parce qu'il y a des boucliers d'ailleurs qui ne permettent pas d'attaquer. Hein. Je vais vous montrer un petit peu après ce que c'est. Donc là on a l'ultime pour le tuer. Et en plus celui-ci s'il fait son ulti d'ailleurs, il permet de mettre un bouclier pour tout le monde. Hein. J'irai montrer un petit peu d'ailleurs tous les trucs par rapport à son gameplay justement. Qui est plutôt sympathique. Et voilà, c'est bon, j'ai réussi à avoir les 3 étoiles. D'ailleurs, il faut aussi faire le 100% si vous voulez avoir encore des gemmes, les pièces comme ça, pour pouvoir justement ensuite faire des invocations après. Parce que, par exemple, il y a des niveaux où il faut faire plusieurs fois les chemins, que je montrerai peut-être juste après. Donc, du coup, par rapport à son bouclier, lui. D'ailleurs, je vais peut-être pouvoir débloquer de nouveaux boucliers. J'aimerais bien, moi, il y en a un que j'aimerais bien avoir. Ouais, c'est celui-là que j'aimerais bien avoir, mais celui-là, je ne peux pas l'avoir encore. Bon, c'est pas grave, on va essayer de booster un petit peu celui-là. Ok, je sais pas ce que c'est exactement, tac. Ok, je peux avoir ça aussi. Merde, voilà. Je peux même peut-être débloquer celui-là en dessous. Non, je ne peux pas. Par contre, je peux le mettre niveau 2, celui-là. Donc là, en gros, il va gagner des stats à chaque fois que je fais des invocations. Est-ce que... Enfin, que je... Ah bah tiens, une nouvelle compétence là-dessus. Ok, ensuite il n'y a rien d'autre. Donc du coup, voilà, en gros, à chaque fois que vous allez avancer là-dedans, vous allez débloquer les nouveaux boucliers qui sont avec les ronds, avec les trucs autour. Là par exemple, il y a celui-là aussi. Et donc du coup, les nouveaux boucliers sont ici. Donc moi, il y a celui-là de base, bon, qui donne peut-être plus de trucs. Donc il a un ulti qui fait un petit peu de dégâts. Moi j'aime bien celui-ci parce que du coup il permet de prendre les coups pour les autres, de se mettre devant. Il a cette attaque qui fait un petit peu de dégâts. Alors c'est pas le perso qui sera là pour faire des dégâts, hein. Ça c'est clair et net. Par contre en termes de tanking il est là, hein. Il n'y a pas photo là-dessus, c'est vraiment un tank. Et ça, cette compétence donc de ce perso justement permet de mettre un shield sur tout le monde. Qui genre va prendre d'abord les boucliers, genre il va avoir 1000 de boucliers, ils vont d'abord enlever les boucliers avant d'attaquer les persos. Et en fonction de ça, donc vous avez plus 33% de points de vie, par exemple, pour celui-là c'est pareil. Son ulti, bon lui il peut, en gros ça c'est que pour protéger quelqu'un. Et cette attaque là par contre, ça permet de prendre un ennemi derrière par exemple, parce qu'il y a des personnages avec
comment ça s'appelle, avec des boucliers, on peut prendre le boss par exemple qui serait derrière le bouclier pour le mettre devant. Celui-ci, donc, lui, il a une attaque un peu plus sympathique. Sauf que là, par exemple, moi, il est à 10 000 points de vie, 10 800 d'ailleurs, c'est pas mal du tout. Mais si je prenais celui-là, qui l'est pas mal. Mais alors, par contre, son ulti, c'est lui qui ferait à peu près le plus de dégâts. Mais si je le prends, voilà, je passe à 4 700 points de vie. Hein. Donc, en termes de tank, ouais, il y a mieux. Hein. Moi, pour l'instant, c'est celui que j'utilise. Celui-là est pas mal non plus. Parce que cette attaque de base, donc lui, il peut faire un shield. Alors ça, par contre, je crois que c'est juste un passif, je sais pas quoi. Mais il a un shield qui... Donc ça, ça permet de soigner tous les tours. Bon, après, forcément, il faudra améliorer. Donc le truc, c'est que voilà, si je l'équipe, j'ai plus que 6300 points de vie. En termes de défense, je sais pas si... Alors attends, j'ai 580... Là, je suis quand même à 800. Mais celui-ci donc peut soigner. Et là, une personne, soit lui-même d'ailleurs. Ou ça, c'est son ulti, c'est pour toute l'équipe. Moi, j'avoue que j'aimerais bien débloquer. Alors, c'est pas celui-ci. Ce serait plutôt ceux qui sont derrière. Genre celui-ci, celui-là ou celui-ci. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est. Ce serait certainement une attaque de fouet. Là, il y a moyen que ça puisse mettre des dots. Mais du coup, les points de vie seraient pareils avec la défense. Parce que du coup, on le voit là ici. Et celui-là, il a l'air plutôt sympathique avec son attaque, je pense. Ça peut être sympa. En tout cas, voilà. Donc, du coup, pour son gameplay, c'est ça. Donc, là, level 47. Donc, level 47. Là, je permets d'augmenter encore sa défense et tout ça. Donc, voilà. Donc, en vrai, j'avance tranquillement. C'est plutôt sympa. C'est beaucoup plus facile, comme je disais, clairement. Maintenant que j'ai beaucoup joué, c'est clairement plus facile que de... Comment ça s'appelle? Que... Moi, quand je me réincarne en slime, parce que la difficulté est quand même beaucoup plus dosée, on avance plus facilement. Alors après, c'est vrai que j'ai peut-être eu de la chance, peut-être. Hein. J'ai peut-être eu de la chance d'avoir mes deux SSR. Donc voilà, c'est ça que je vous disais. En fait, les chemins ici, je pensais que en fait, c'était limité. Mais en gros, pour avoir le 100%, il faudra faire tous les chemins. Si vous voulez, au moins... Enfin, pas tous les chemins, mais il faut tout débloquer d'abord. Pour tout simplement... Ah merde, je les aime pas, ceux-là. Parce que eux ils se mettent sous terre et après ils tapent. Ouais. Oh, 1000 de critiques derrière, pas mal. Là maintenant elle est bientôt level 40 donc ça pourra faire un peu de dégâts quand même. Bon lui, oui, il est là pour tanker, hein. Il est pas là pour. C'est dommage, je ne peux pas attaquer. Je peux pas attaquer vu qu'ils veulent. Par contre elle peut attaquer mais je peux attaquer qu'une cible. Heureusement que je l'ai mis du coup, hein, parce que du coup ils peuvent attaquer. On va faire un truc. Ils ont tous un shield. Bon, on va attaquer le mec qui est par terre, c'est pas grave. En vrai, j'aurais pas dû faire ça, mais c'est pas grave. Bon, on va le finir. Voilà, parce que je savais que j'aurais pu l'attaquer après. Ça va, 600. Ça va, ça commence à faire des dégâts. On va se mettre pour protéger ma petite Raftalia. Là, je peux pas l'attaquer. J'irai tester quand je pourrai la monter level 40 pour voir ce que son ulti peut donner après. Ah lui il peut l'attaquer aussi, tiens, on va tester après son... Ah si, tiens, je peux l'attaquer maintenant. Pourquoi? Donc voilà, donc en gros c'est ça que je vous disais, en fait, il faut pas forcément passer par exemple, je passe par là-haut et que je descends ensuite pour remonter, bon il faudra que je refasse le chemin pour aller faire là-haut. Par contre, il n'y a pas besoin de faire... parce qu'en gros, à chaque fois que le chemin va... Je vais passer, le chemin va devenir blanc. Donc, il n'y a pas besoin que tous les trucs deviennent blancs pour avoir le 100%. Il faut juste avoir les items. Donc, en gros, en 3 fois, si je fais 3 fois la même carte, je pourrais avoir toutes les trucs et ensuite avoir le 100% qui donne les bordels de bonus à la fin, quoi. C'est comme ça que j'ai pu faire pas mal d'invocations, mine de rien. Alors, tiens, on va lui mettre un ulti sur lui, parce que je l'aime pas, il va passer sous terre sinon. Ah merde, il est pas mort, dommage. Ok, on va garder ça. J'aurais dû faire mon attaque ultime sur lui, merde. C'est Valo. Tu sais quoi, on va mettre le shield de partout. Hop là, c'est quand même ultra bien, ultra stylé ce personnage quand même. On va attendre que l'autre ressurgisse. Ok, est-ce que je peux le tuer? Ah, je le tue pas. Ah oui, si, c'est bon. Donc, du coup, elle, on va la faire passer, tiens. Voilà, maintenant, ultime. Vas-y, il faut voir comment tu peux faire, là, du coup, au niveau 39.
Ah, c'est pas mal, hein. En vrai, ça peut faire des dégâts, hein. Voilà, pour Raftalia. Ok. Bon, je vais le mettre en auto, comme ça au moins ce sera fait. Ah, d'accord. J'ai l'impression que quand mon personnage principal attaque une des personnes volantes, parce qu'ils ont de la fumée autour d'eux, je crois. Ouais, voilà, ils ont de la fumée. Quand mon perso attaque, j'ai l'impression qu'ensuite il peut... Bon, lui il meurt direct. J'ai l'impression qu'ils deviennent visibles en fait. On va tester ça, attendez. Ou c'est peut-être au bout d'un moment. D'accord, donc là je peux que protéger un perso. Je peux rien faire. Ouais, non, je crois que... Ah, il faut attendre un petit peu. En fait, il faut peut-être attendre un tour, je pense. Voilà, toi tu dégages. Je peux rien faire avec lui. Toi tu peux l'attaquer. Voilà, merci. Ok. Tu sais quoi, on va mettre le shield. Je suis même pas encore arrivé au boss de toute façon. Oh, ce shield! Ah, ça y est, là il a perdu le truc. Donc là, maintenant on peut tous l'attaquer, d'accord. Ok, vas-y, c'est parti, ma petite Raftalia. Voilà, merci beaucoup. Et en plus, ce qui est bien avec elle d'ailleurs, c'est que de temps en temps elle se met à attaquer toute seule. Ce qui n'est pas compté dans son tour, donc ça c'est cool. On va les faire attaquer au toll. D'ailleurs, elle, au fur et à mesure que ses tours avancent, ses critiques augmentent et elle fait quasiment du 100% de critique à la fin. C'est n'importe quoi. Oh, lui, il a pris cher hier. Là. Donc bon, ça a beau être une grognasse, ce perso est quand même pas mal en vrai. Hein. Il est vraiment pas mal du tout hein, avec ses attaques de flammes. Donc voilà, là, je n'ai fait qu'un seul chemin. Il faudra que j'augmente... Vous savez quoi? Je vais faire le truc pour pouvoir le... monter mon personnage level 40. Si je peux. Enfin, 40, c'est pas ici. Oh, tiens, attendez, il y a un boss. Vous savez quoi? On va se terminer le combat avec ce boss. Moi, je farmerai le truc pour pouvoir les faire après. Mais on va se faire le boss. Et du coup, voilà, la prostituée, elle, c'est quand même... J'ai testé plusieurs persos, après il y a des persos de heal, il y a des persos pour donner des boosts et tout ça, mais je préfère celui-ci, moi, perso, qui permet... De toute façon, on a le perso qui tank au départ, donc on s'en fout. D'accord, donc là, il est de niveau bébé... Oh, il a 20 000 points de vie, quand même, c'est pas mal. Hop là. Ok, il a déjà pris des 2400, c'est pas mal. Toi, tu vas protéger la prostituée. Parce que j'ai remarqué qu'ils sont souvent ciblés. Ah bah d'accord, bah la prochaine ce sera Raftalia qu'il faut que je protège. Voilà, elle a pas fait de critique à sa première, mais normalement la deuxième devrait faire 100% de critique. Ok, go protéger. Oula. Là normalement ça devrait être critique là. Voilà, c'est bien ça. Ouais, les dégâts c'est insane. Hein. On va reprotéger. Peut-être que ça augmente sa défense à lui-même quand il fait ça aussi. Oh, 3000, ça va. Ok, normalement, là, je le tue. Critique encore. Ah non, il a pas critique. Hein. C'est rare. C'est très très rare en vrai. Hein. Et là, j'imagine même pas quand je l'aurai 60, elle va mettre des dégâts. C'est n'importe quoi. Hein. Ma petite Raftalia. Hop là, d'accord, ça, cette histoire, j'avoue, je sais même pas où j'en suis exactement dans l'histoire. Donc là, du coup, on a débloqué le dernier chapitre. D'accord, donc là, en gros, moi, j'avance petit à petit dans les jours. On va finir avec le dernier combat de ce chapitre. Comme ça, au moins, j'aurai tout terminé. Alors, je vais essayer de garder un ulti pour lui, quand même, pour mettre les shields à tout le monde. Toc, là, il a 27 000 cette fois-ci, la vache. Ok, on va mettre le shield sur Raftalia cette fois-ci. J'ai l'impression qu'il tape... Ah, waouh. Je vais pas le mettre tout de suite, je vais faire le shield comme je disais. On va mettre le shield sur tout le monde. Nickel, parfait. Ah! Ok, donc là il va faire mal là, sur mon perso.
Là, il y a un problème de fou furieux. Il risque clairement de me la tuer. Ok, non, c'est bon, c'est lui qui a pris les coups. Vous voyez comme c'est très utile, ce perso, mine de rien. C'est quand même que là, je peux choisir ma cire. Enfin, ce bouclier, pardon. Ce bouclier est très, très efficace, quand même. Ah, il m'a tué ma Raftalia, l'enfoiré. Non, mon DPS. Ah ouais, là, ça pue, là. Ça pue complètement du cul, là. Et le problème, c'est que lui, c'est des attaques qui coûtent double. Donc, on va devoir faire ça. J'ai pas encore le shield. On va faire une attaque, c'est pas grave. Ok. Aïe aïe aïe. Est-ce que ça peut le tuer? Bon, j'aurai pas les 3 étoiles, hein, parce que du coup j'ai perdu un perso. Ok, ok, ok. La vache, ces attaques d'éclair, ils font super mal, là. Enfin, bon, je le tue, mais au moins... il va falloir que je monte mon perso 60 et tout, là, si je veux essayer de faire quelque chose. Ok. Bon, malheureusement, elle est morte, ma petite Raftalia. Bon, bah voilà, du coup, on a débloqué le 4e chapitre. On va aller regarder où est-ce que j'en suis. Donc là, c'est quand ils font la tenue de... D'accord, je pense que c'est quand ils font sa tenue. Ah, bah tiens. Attends, j'ai reçu en SSR le perso, là? C'est ça? J'ai l'impression que c'est ça, attendez. On va aller regarder les invocations. Donc là, ok, ça c'est juste pour la booster. Ah oui, je l'ai reçu, elle est là. Trop mignonne. En vrai, je sais pas ce qu'elle peut donner. Donc ça, ce serait certainement des trucs pour faire du DPS pour elle. Bah, c'est vrai que j'aime bien ce personnage, moi. Surtout quand elle se transforme en petit oiseau et tout ça, c'est vrai. Plutôt utile, mais bon. En tout cas, voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein, d'ailleurs, attendez, je vais faire un truc. N'hésitez surtout pas, d'ailleurs, à me rajouter. Alors, problème, par contre, c'est que j'ai pas pu mettre de pseudo. Je sais pas si je peux le changer, en vrai. Est-ce que je peux mettre le fugitif, par exemple? Le fugitif... Non, on va marquer fugitif. Fugitif... Est-ce que c'est possible? Ah, bah voilà. Bah, du coup, si jamais vous avez envie de me rajouter sur le jeu... Alors, attendez, est-ce que je peux changer tout ça, là? Pour pouvoir foutre mes vrais personnages. Non, c'est pas toi qui je vais choisir en premier. C'est pas toi non plus. C'est toi d'abord. Ensuite toi. Et mon autre personnage que j'ai boosté, il est où? Ah, là, voilà. Voilà. Mais je peux en mettre un... Je peux en mettre un quatrième? Je peux en mettre un petit quatrième? Ah, oui, d'accord. Bon, du coup, on va mettre elle. Elle est trop mignonne comme ça, donc voilà, du coup, pourquoi, je sais pas pourquoi j'ai ça. Mais bon, en tout cas, si vous voulez me rajouter, vous pouvez, parce que du coup, j'ai des personnes dans mes amis, vous voyez, je peux leur envoyer des trucs, tout simplement, pour des bons becs, là, pour augmenter le fait d'avoir, merde, de faire des combats et tout ça, hein. En gros, à chaque fois que je fais ça, je leur envoie un cadeau qui peuvent me renvoyer une fois après. Pour justement faire que ça on monte petit à petit, quoi. Ok, bon, alors du coup, entre temps, j'ai pu récupérer quelques parchemins, donc pour faire quand même pas mal de petites invocations. Alors du coup, je crois que c'était sur celui-ci que j'ai fait, mais bon, je vais recommencer sur celui-ci, peut-être que j'ai eu un peu plus d'infos. Mais du coup, là, j'en ai 10 ici, alors 12, mais je sais pas comment j'en ai chopé deux autres. Donc du coup, on va tenter encore 3 multi-invoques, on verra, peut-être que j'aurai un petit SSR. Là, ça commence à se corser, hein. Je vous avoue, là où j'en suis, ça commence à devenir un peu énervé. Il va falloir que j'aille farmer les levels et tout ça. Malheureusement, je n'ai eu que des violets, donc on va passer tout ça. Par contre, ça c'est bien, j'ai encore celle-ci pour l'instant, donc ça peut toujours m'être utile. Est-ce que je suis sûr d'avoir un SSR là-dedans? Ou est-ce que j'ai des grandes chances d'en avoir? En tout cas, je sais qu'à la 10e, bon, j'ai celui-ci, bon. C'est pas grave. Alors, du coup, on va en tenter 2 sur celle-ci. Espérons qu'on aurait quelque chose, ce serait sympa quand même. Alors. Et d'ailleurs, je vous montrerai comme ça où j'en suis exactement dans l'histoire. Ah, un, j'ai un SSR, j'ai eu un SSR, ok, ok. Ok, donc là, je vais peut-être pouvoir remplacer mon truc. Ah, mais non, mais je l'ai déjà, celui-là. C'est pas drôle, ça. Bon, j'ai reçu 60 gemmes, c'est cool, mais bon, c'est un peu con, quand même. Bon, c'est pas grave. On va recommencer, hein. Mais bon, c'est un peu dommage d'avoir eu le même personnage.
Surtout que j'en aurais bien voulu un troisième SSR, comme ça j'aurais eu une équipe full SSR en tout cas. Oh, un SSR, attendez. Me dis pas que c'est le même, parce que là je vais péter un câble. S'il te plaît. Propre. Alors en plus, lui, en termes de difficulté sur un mob, parce qu'à un moment donné, celui-là, je l'ai affronté, et je n'ai pas eu les 3 étoiles. Oh, nouveau perso. Qui d'ailleurs est sympathique, puisqu'il fait des dégâts de zone sur tous les personnages. Donc, du coup, j'ai un nouveau personnage. En vrai, je me demande c'est qui que j'aurais eu. D'ailleurs, au bout d'un moment donné, alors attendez, c'est ici, je crois, que je vais vous montrer. Au bout de 5 ou 6 jours, ouais, 7 jours, j'aurai un SSR gratos qui est donc la petite. J'ai oublié son nom, je suis désolé, bah elle. Qui. Je sais pas ce qu'elle peut donner en vrai, mais du coup, on va pouvoir aller faire des petits changements dans mon équipe pour tout simplement aller regarder ce que ça peut donner. Bon, alors lui, par contre, on va pouvoir le booster, on va le level up. La voix de Kiritosama. Donc du coup son ulti augmente, ses points de vie aussi, ça c'est cool. En vrai je sais pas si je peux choisir les trucs. Ok, donc là j'en ai 25, il m'en reste 15 encore dedans. Je peux faire des bons level up, ok. Donc j'ai l'impression que c'est... Ah non, c'est... Bah non, c'est pas le même logo, j'ai cru que c'était un même logo. Donc ce serait peut-être un magicien parce qu'il a le même truc qu'elle. D'ailleurs elle, je peux peut-être la booster, non? Non, c'est pas ici, pardon. Ouais, j'ai assez, mais je le ferai pas. Donc du coup, alors, on va pouvoir monter ce personnage. Je sais pas quel level je vais pouvoir le monter. Déjà 35, c'est déjà pas mal. 38, ok. Déjà, c'est cool. Il sera quasiment au même level que l'autre. J'aurai 3 personnages très intéressants. Il va falloir que j'aille le monter, mais déjà je vais pouvoir le tester, voir ce que ça donne, et comme ça... Alors voilà, moi exactement où j'en suis donc au fameux boss qui est level. Alors il y a 11 000 d'attaque, mais enfin 11 500 qu'il faut minimum. Mais en vrai, le mob est 67, il fait très mal, et j'arrive pas à le passer pour l'instant. Donc il y avait celui-ci, et donc lui, voilà lui, qui c'est censé avoir 8 000, mais en vrai il me fait très très mal, hein, donc du coup... On va pouvoir te remplacer. Et dégage, toi. Ah, donc là... Ah ouais, il a quand même... Elle a 2300 d'attaque. Et lui, il en a que 11 000. De toute façon, c'est juste pour le tester. On verra ce que ça donne. On verra bien ce que ça peut donner. Attendez, on va enlever le mode auto. Ah, pardon. Voilà. Alors, donc déjà, on va essayer de voir ce que ça donne son ulti. Hein. Donc, j'espère que depuis que j'ai monté les persos, ça devrait aller peut-être pour le buter maintenant. Alors, donc ça, c'est une attaque de base. On essaiera de voir ce que c'est que son ulti. Bon, 300 en même temps, c'est normal. On va protéger ma petite Raphtalia. Voilà, donc lui, ça va, il me fait un peu de dégâts. Non, on va juste faire une attaque comme ça. Ok, donc maintenant, voyons voir son attaque, c'est quoi? Oh, ok, ça claque. 900, en sachant qu'il a pas de stuff. En vrai, bon, alors par contre, c'est vrai qu'en termes de DPS, Raphtalia, elle est là, quoi. Raphtalia, elle est là, vraiment là pour faire du dégât. Hein. Je vais vous montrer ça dès que je peux. Ah, lui, par contre, il fait un peu plus de dégâts. Ah, bah non, ça va, en fait. Ah oui, il a 5000, ok, tu veux faire 5000, regarde, bouge pas. Voilà, 8300, ma petite Raphtalia, bien joué. Ok, alors peut-être que le SSR, il est pas ouf. Mais j'espère qu'il sera utile à la fin. Aïe, oh, bâtard, il m'a stun. Bon, allez, tu dégages. Bon, bah voilà, du coup, depuis le temps que j'ai augmenté ma puissance, ça va, mais... va falloir que je regarde ce que ça peut donner ce personnage un peu plus haut level du coup. Ah bah du coup je passe level 30 et je récupère 90 d'un truc. Ah ouais, c'est bon ça. Ça c'est très très bon parce que j'en avais plus assez en plus, donc ça c'est nickel. Du coup j'en étais où là? Donc j'en étais là. On va aller regarder un petit peu ce que ça peut donner si je booste un petit peu le perso. Qu'est-ce que je peux lui booster? Je peux booster ça là? Ah bah oui, regardez ça.
Donc là, on va lui augmenter les stats. Ah merde, j'ai pas de bleu. Ah là, c'est un peu con. Mais bon, du coup, je verrai un petit peu ce que ça donnera un peu plus tard en termes de personnages, parce que pour l'instant, bah du coup, lui, il me donne 1400 de puissance et elle encore 2300. En même temps, elle a été boostée, pas mal de fois, hein, parce qu'elle a quand même déjà deux stacks comme ça. Le troisième, d'ailleurs, je pourrais le booster si je veux, hein, elle passerait à... Elle gagnerait quand même pas mal de puissance même. En tout cas, voilà, donc du coup, voilà où j'en suis exactement maintenant. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo sur ce jeu vous plaira. Personnellement, je kiffe. En ce moment, je joue qu'à ça avec Sword Art Online Rising Steel, forcément. Mais du coup, voilà, donc on se dit bien entendu à une prochaine. Et à plus tout le monde.